L'industrie minérale fait partie de l'ADN de l'Abitibi-Témiscamingue depuis de nombreuses décennies. Presque toutes les familles d'ici ont un membre qui œuvre dans ce secteur d'activité et qui peut témoigner de l'importance et de l'impact des mines dans nos vies passées, actuelles et futures. Nos paysages aussi en sont marqués. Ça et là, notamment le long de la faille de Cadillac entre la frontière ontarienne et Louvicourt, nous voyons surgir de la cime des arbres des chevalements, signe d'une exploitation minière souterraine à cet endroit. Mais que ce soit sous terre ou en surface avec une mine à ciel ouvert, l'exploitation minière est un immense projet qui s'étendra sur de nombreuses années. Pour décrire ce travail de longue haleine, on parle du cycle de vie d'une mine. Le cycle de vie d'une mine comprend les différentes phases d'un projet minier, qui sont la prospection, l'exploration et la mise en valeur, l'aménagement et la construction, l'exploitation, la restauration et le suivi post-restauration. La première étape, la prospection, nous ramène souvent en tête l'image du vieux prospecteur, seul dans les bois, qui casse de la roche à la recherche de trésors. Puisque de nos jours, la surface de la région a été relativement tout explorée et que les gisements affleurants et visibles se font plus rares, le travail de prospection est davantage basé sur une connaissance de la géologie du terrain, de l'utilisation de méthodes géophysiques et de forage en profondeur. Ce travail est guidé par des prospecteurs, des géologues et des compagnies d'exploration et s'étend en moyenne sur 4 à 10 ans. L'investissement de 1 à 2 millions de dollars par an est notable si l'on considère que seulement un indice sur 1000 conduit à une découverte. L'exploration et la mise en valeur est la deuxième étape du cycle et est souvent réalisée par de petites sociétés d'exploration que l'on appelle les juniors, bien que la plupart des grandes corporations d'exploitation minière fassent aussi de l'exploration. Lors de cette étape, les compagnies procèdent à des programmes de forage, leur permettant ainsi d'extraire du sol des échantillons en vue de les analyser. L'analyse viendra notamment informer sur la teneur du gisement, qui sera déterminante pour la suite du projet. Grâce au forage, à l'échantillonnage et aux différentes analyses, seront déterminées la valeur et le potentiel d'un gisement et la rentabilité possible de son exploitation. Suite aux analyses de faisabilité technique, les études financières et environnementales, de même que les ententes avec les communautés environnantes, sont effectuées afin de mener le projet à sa construction. On appelle cette phase la mise en valeur. Les petites sociétés d'exploration sont des PME qui ne disposent d'aucun revenu de production. Elles doivent donc travailler fort pour trouver les millions de dollars par an nécessaires à leur activité, qui dureront entre 2 et 8 ans. Lorsque toutes les autorisations et tous les permis sont obtenus, les compagnies minières procèdent à l'aménagement du site et à la construction de ces installations. C'est une phase extrêmement onéreuse, entraînant des coûts pouvant aller de 100 millions à 1 milliard de dollars. Selon l'envergure du site, la construction d'une mine peut durer de 2 à 3 ans. Une fois que le projet minier est mis en place, il est temps d'extraire et de traiter le minerai pour en faire sortir les métaux. Il s'agit de l'étape de l'exploitation, la seule étape du cycle de vie d'une mine où des revenus seront générés. D'une durée moyenne de 10 à 15 ans, alors que certaines mines peuvent durer plus de 50 ans et d'autres moins de 10 ans, la production implique l'apport des employés de la mine, mais aussi de nombreux contracteurs et équipementiers miniers qui innovent chaque jour pour améliorer la productivité, la santé et la sécurité et diminuer les impacts environnementaux. La formation continue prend une place considérable à cette étape de production. Les compagnies minières collaborent régulièrement avec les instituts et organismes d'enseignement afin d'approfondir les connaissances et de parfaire le savoir des travailleurs, tant à leur arrivée dans l'entreprise que tout au long de leur mandat. De façon continuelle, les compagnies d'exploitation réalisent en parallèle sur leur site des travaux d'exploration afin d'éventuellement agrandir le gisement en largeur ou en profondeur. Puisque les métaux sont des ressources naturelles non renouvelables, toute exploitation minière a une fin. La fermeture d'une mine se planifie et se finance en fiducie dès le début de ses activités. Et la restauration du site minier, suite à sa fermeture, fait partie intégrante du cycle de vie de la mine. On parle alors ici de la phase de restauration, qui est d'une durée approximative de 2 ans. Afin de bien planifier la restauration du site minier, la compagnie minière doit déposer son plan de restauration de son site minier avant même le début de sa construction. Ce plan est rédigé et révisé aux 5 ans selon les exigences contenues dans le guide de préparation des plans de restauration élaboré par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.
De plus, l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole met à la disposition des compagnies une boîte à outils pour planifier la fermeture de mines intégrées. De ce fait, les considérations de santé et de sécurité, les considérations sociales, environnementales, légales, de gouvernance et de ressources humaines sont envisagées depuis l'exploitation, et ce, jusqu'à la pré-fermeture. En étant pleinement conscient de cette étape finale, la conception d'une opération minière est donc planifiée de façon à faciliter sa fermeture. Par exemple, l'infrastructure de la mine et de l'ensemble de son site est conçue en relation avec les besoins de la communauté. Il est également primordial d'être conscient des parties qui sont touchées directement ou indirectement par l'opération minière et éventuellement de l'arrêt de ses activités, afin de les considérer à chacune des étapes. Pendant et après la restauration complète d'un site minier, les compagnies minières ont l'obligation d'effectuer des suivis environnementaux et de transmettre le tout au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est ce qu'on appelle la phase du suivi post-restauration. Le suivi post-restauration est d'une durée minimale de 5 ans et se poursuivra tant et aussi longtemps qu'il sera nécessaire de le faire. Avec l'évolution de la société et de ses mentalités, de même qu'avec les différentes et nombreuses réglementations qui sont venues s'ajouter au fil du temps, l'industrie minérale québécoise et témiscabitibienne s'est beaucoup développée et sert désormais d'exemple à l'échelle mondiale. Nos programmes de recherche poussés, nos chercheurs de renommée internationale, nos équipementiers innovants de façon continue et la volonté des acteurs de l'industrie de travailler dans une optique de développement durable nous permet de jeter un regard neuf sur cette industrie. Que l'industrie minérale soit aussi importante dans notre région n'est pas le fruit du hasard. Le sous-sol de l'Abitibi-Témiscamingue est un des plus riches au Canada, et pour être en mesure de bien l'exploiter, il est important de le comprendre et de connaître ses particularités. Au niveau minier, l'Abitibi-Témiscamingue, qui inclut autant le Parti québécoise que la partie du nord-est ontarien, c'est une faille de réputation mondiale qui s'appelle la faille de Cadillac, qui est, tant qu'à moi, un patrimoine minier unique au monde. Nous sommes les chanceux d'avoir ces roches-là, des roches archéennes de 2,6 milliards d'années, autant l'Australie, l'Afrique du Sud, que la partie, comme je vous ai dit, ontarienne et québécoise. C'est une des plus grosses, sinon la plus grosse ceinture de roches vertes au monde. On appelle roches vertes les basaltes. Donc, c'est des roches volcaniques sous-marines d'âge d'environ 2,6-2,7 milliards d'années. Donc, des roches très favorables à la présence de minéralisation aurifère ou de métaux de base, comme le cuivre, le zinc. Donc, ces roches-là ne se retrouvent pas partout. Donc, déjà d'avoir la présence de ces unités lithologiques-là fait en sorte que l'Abitibi-Témiscamingue se démarque de toute façon de toutes les autres régions du Québec. Aucune autre région du Québec ne peut se vanter d'avoir des roches aussi porteuses de développement et d'avenir que les nôtres. Donc, on a une région unique, on a une région qui est chevauchée par la faille de Cadillac, qui est entre Val-d'Or et Rouyn. Vous circulez entre Val-d'Or et Rouyn, la présence justement de dépôts importants, que ce soit la mine La Ronde, la mine La Pas. Toutes les mines sont alignées le long de cette fameuse structure géologique-là qui nous donne en fait la chance d'avoir l'Abitibi telle qu'on connaît. C'est une structure géologique qui est très importante, de grande envergure. Donc au niveau de sa dimension, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Donc on parle de à peu près de la région de Louvicourt jusque du côté de Lauder Lake là, en Ontario, qui va sur des grandes profondeurs aussi verticalement. C'est comme une zone de suture entre deux territoires tectoniques différents. Un endroit où qui a servi de plomberie. Donc, pour mettre en place des métaux, notamment l'or, donc ça prend des fluides à haute température, haute pression pour que les métaux soient en solution. Ils doivent circuler dans les conduits, donc dans les plomberies comme dans une maison. Et pour se mettre en place, il faut trouver une trappe où la pression et la température vont diminuer. Donc, la faille Cadillac a servi de corridor principal pour transporter ces fluides-là. Et puis les fractures secondaires de moins grande envergure ont servi pour précipiter les métaux et créer les gisements aurifères que l'on connaît aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'à la base, l'Abitibi,
c'est le cuivre et le zinc. L'Abitibi, c'est bâti autour de Noranda, c'est bâti autour de Matagami, c'est bâti autour de Joutel, de Selbé. Ça s'est bâti sur le cuivre et le zinc. Et est arrivé dans les années 70-80 principalement, une hausse assez significative du prix de l'or. Et ce qui a fait en sorte que toute l'exploration a migré vers l'or. Et des gisements qui avaient probablement été découverts dans les premières années, qui n'étaient pas nécessairement économiques à l'époque. On parle aujourd'hui de prix de l'or à 1 000 $ et on panique parce que le prix de l'or est trop bas. À l'époque, on parlait de 35 $. C'était toute une autre dynamique. Et soudainement, mais ces gisements-là qu'on connaissait depuis longtemps deviennent plus attrayants. Et c'est ces gisements-là qu'on redécouvre aujourd'hui en 2015. Mais ce sont dans l'histoire de l'Abitibi, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ici, sur la faille Cadillac, on est principalement concentré sur l'or, mais sur des failles un peu plus au nord, je prends l'exemple de Balmoral Ressources, près du camp de Matagami, Matagami-Selbé, en allant vers l'ouest. Ils ont des découvertes récentes de nickel avec des valeurs en cuivre. Oui, encore un grand potentiel pour les métaux de base. On trouve ce que l'on cherche, c'est vraiment une belle phrase, puis il y a plusieurs exemples. C'est que historiquement, le camp de Rouen est un camp minier mature qui était reconnu pour les dépôts de cuivre. Et Val d'Or était connu pour les dépôts aurifères. Et on disait, il n'y aura pas de dépôts de cuivre économiques à Val d'Or. On n'en cherchait pas. Jusqu'à temps qu'une compagnie comme Or Ressources pousse les recherches plus en détail, plus en profondeur et découvre le dépôt de Louvico. C'était une mine de cuivre qui a été exploitée. Il y a aussi juste au niveau des dépôts aurifères, on disait que dans certains secteurs, dès qu'on rencontrait des roches sédimentaires plus au sud, on ne trouvait pas de dépôts aurifères. Puis on a commencé à chercher des dépôts dans le secteur, on en a trouvé aussi. Donc, il faut vraiment pousser chacun des secteurs. L'Abitibi renferme à peu près pas tous les types de dépôts, mais presque différents types de métaux aussi. Donc, il s'agit de les rechercher. Et comme tu as mentionné, je pense que quand le prix du métal en question est à la hausse, on en cherche et on en trouve sur le territoire abitibien. Historiquement, l'Abitibi s'est bâti principalement avec des mines souterraines. Et pour pouvoir justifier d'aller sous terre, ce que les gens cherchaient, ce que les chercheurs d'or cherchaient, ce que les prospecteurs cherchaient, c'était les filons. C'était quelque chose qui était riche. Donc, on cherchait la richesse à l'époque. Et donc, si on fait une analogie, sans nommer nécessairement très technique, mais disons qu'on cherchait quelque chose qui avait 10 grammes, mais qui pouvait être sur 1 mètre. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est quelque chose qui a 1 gramme, mais sur 10 mètres. On vient de changer l'approche, mais dans le fond, on a exactement la même quantité d'or. C'est juste que là, on peut se permettre aujourd'hui, à cause des outils, à cause des techniques, d'exploiter des choses qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu à l'époque. À l'époque, il fallait pouvoir le voir à l'œil nu, donc il fallait que ce soit très riche, très étroit. Aujourd'hui, c'est plus large, moins riche, mais par contre, on a les outils, la technologie pour nous permettre de le voir. Le dépôt de la mine de Canadien-Malartic est un bel exemple. Exploité historiquement à des hautes teneurs, des petits volumes sous terre. Maintenant que la venue de camions de l'ordre de 250 ou 300 tonnes, avec une production de 55 000 tonnes par jour, donc on peut exploiter des volumes à plus basse teneur. La règle s'applique aussi pour les mines souterraines. Le plus bel exemple en région est le succès de la mine Goldex, donc où on exploite un dépôt à des très basses teneurs aurifères, des teneurs qui sont presque des teneurs d'opération à ciel ouvert, mais dans une mine souterraine, parce qu'on peut la morphologie, la géométrie de la zone permet d'exploiter des grands volumes à chaque jour. Alors que la teneur en métaux des gisements est variable, les procédés d'extraction aussi diffèrent, selon la mine ou le métal exploité. Le procédé d'extraction, en fait, ça dépend de quel métal qu'on va aller chercher, en fait, de quel minéral qui contient un métal. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans la roche s'est faite de plusieurs minéraux, puis dans un minéral, il peut y avoir plusieurs éléments chimiques, dont le métal qui nous intéresse. Fait que là, il y a des procédés. Normalement, on a des premiers procédés de concentration pour aller chercher le minéral qui contient le métal qui nous intéresse, le mettre le plus possible tout ensemble et en sortir tous les minéraux qu'on veut pas.
Donc ça, c'est la partie concentration. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre concentré du minéral et on va aller séparer le minéral pour aller chercher seulement le métal qu'on veut. Donc, la partie pour aller chercher seulement le métal qu'on veut, ça se fait sous, normalement, ça se fait en fonderie. Il y a plusieurs étapes, mais encore une fois, ça dépend du type de métal qu'on veut. L'or est un petit peu particulier parce que l'or, lui, souvent, il va se retrouver dans la nature, dans les roches, sous forme de ce qu'on appelle natif. Donc, lui, il n'est pas associé à un minéral, il est déjà séparé, dans un sens. Donc, lui, il a un petit peu moins de travail à faire, là, malgré que, comme il est en beaucoup plus faible concentration, faut quand même travailler fort pour aller le chercher. Les grandes découvertes, je dirais, près de la surface, par des prospecteurs, ça va être assez difficile. On en a eu une récemment. Le gisement d'Éléonore est un beau succès dans ce sens-là. Mais il va en avoir de moins en moins. Et la raison est simple, on l'a mentionné, c'était fondamentalement, on est recouvert par la forêt et par les marécages. Donc, il y a eu les premiers prospecteurs. Après ça, avec la coupe forestière, ça a ouvert des accès. Donc, une autre vague. La vague de prospection de surface, elle est morte. Et après ça est arrivé les outils en physique et en chimie qui ont été appliqués pour nous permettre de lire en dessous des arbres, en dessous des marécages. Ça nous a permis de faire toute une autre série de découvertes dans les années 70. Maintenant, il y en a de moins en moins. Ces techniques-là ont été faites. Le défi qu'on a, et c'est un beau défi, c'est d'aller plus en profondeur, c'est de penser différemment et de trouver une façon où on pourrait lire de façon très, très profonde. Deux des projets de l'or en Abitibi présentement se situent sur les deux mines qui ont fondé la région. Je prends l'exemple de Falco Ressources qui travaille sur un dépôt, la zone 5, en profondeur de la du dépôt Horn. Donc, il est vraiment la première mine en région. Et la compagnie Integra Gold qui travaille sur le projet Lamac, qui est en périphérie des mines Sigma et Lamac, dans l'intérieur desquelles plus de 11 millions d'onces d'or qui ont été exploitées. Donc, les deux premières mines de la région qui étaient fermées et on disait peut-être épurées, c'est deux des projets de l'or pour des projets orifères dans un futur peut-être pas si lointain. Donc, le potentiel de découverte est encore très grand dans ce genre de dépôt-là. Ce qui va avoir des grandes découvertes va être un peu difficile. Mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Pour les métaux traditionnels, l'or, le cuivre, le zinc, le nickel. Aujourd'hui, par contre, on entend de plus en plus parler de d'autres genres de minéraux. Quelque chose qui est au goût du jour, évidemment, aujourd'hui, c'est le lithium. Les gens ont favorisé des voitures électriques pour diminuer la consommation de pétrole. Donc, on a besoin des opérations minières qui soient faites de façon saine et respectueuse de l'environnement pour exploiter différents métaux. Évidemment. C'est quelques exemples qu'on utilise, mais dans la vie de tous les jours, notre télévision, notre voiture, les réseaux de communication, notre iPhone contiennent différents types de métaux. Il y a même des gisements de nickel, il y a des gisements même, plutôt des gîtes de fer, qui ne sont pas des mines parce que c'est pas d'envergure économique, mais on trouve vraiment différents types de métaux. Et puis, l'exploitation de ces différents métaux-là va être fonction des marchés. Donc, lorsque les prix d'un lithium ou des terres rares vont augmenter, mais il y a probablement des gîtes qui vont devenir des gisements et des opérations minières. En fait, pour établir le potentiel minéral d'un gîte, mais la première étape, c'est la découverte du gîte. Donc, c'est sûr qu'au niveau des technologies, depuis les 100 dernières années, il y a plusieurs techniques qui ont évolué. Une des principales techniques de recherche pour les dépôts qu'on ne peut pas découvrir en surface est évidemment le forage au diamant. Si on recule de 100 ans, faire un trou de forage au diamant d'un diamètre de 3 quarts de pouce, c'était très difficile. Aujourd'hui, donc, on peut faire des forages à plus gros calibre, jusqu'à 2 ou 3 pouces de diamètre, et des longueurs qui peuvent dépasser les 3 km de profondeur, de façon assez courante de nos jours. Donc, tous les dépôts qui n'ont pas été découverts dans les premières années, dans les premiers 100 mètres, 200 mètres, maintenant, on a accès à explorer en profondeur par les méthodes de forage. Les autres méthodes qui sont utilisées, c'est des méthodes géophysiques. Donc, utiliser les courants magnétiques ou électromagnétiques pour découvrir des conducteurs dans la roche. Les méthodes d'investigation ont grandement évolué et on peut encore là aller en grande profondeur.
qui nous permet, encore une fois, de découvrir des dépôts sur lesquels des gens ont travaillé peut-être au début du siècle, qui n'ont pas été découverts. Aujourd'hui, on peut faire des découvertes dans un environnement. C'est deux exemples qui permettent d'établir le potentiel et de découvrir le potentiel d'un secteur. Évidemment, pour faire des découvertes, il faut avoir accès à des sous, au capital de risque. Depuis 2011, les conditions économiques pour avoir accès à ce capital de risque-là est plus difficile. Il y a moins d'argent qui est concentré vers l'exploration. On est tributaire des cycles économiques, de la demande des métaux. Lorsque la demande va revenir et que le prix des métaux va monter à nouveau, parce que c'est cyclique, on le voit depuis 75-80 ans en Abitibi, lorsque les prix vont remonter, le capital de risque va devenir plus accessible. Mais le plus grand mystère entourant l'exploitation aurifère est sans doute celui de la coulée d'or. On n'entend pas parler à tous les jours de la coulée de l'or. La richesse est concentrée dans une petite brique. Donc souvent, oui, la brique d'or ou la coulée de la brique d'or, c'est un peu mystérieux, mais ça peut être attirant. Donc sans que ça soit secret, il n'y a pas de dévoilement quand est-ce qu'elle va être coulée, où qu'elle va être coulée et puis où qu'elle va être livrée. Parce que un bloc d'or peut valoir facilement un million et demi, et c'est le fruit d'investissements, de labeur, etc., etc. Ces lingots-là sont coulés directement sur le site des mines qui possèdent une usine de traitement. Donc, il y a un endroit particulier où on va couler l'or. Donc, cet endroit-là doit être fermé, doit être sécurisé. Donc, moi, j'ai œuvré pendant plusieurs années dans les opérations minières, dans les mines. Et moi, qui étais le géologue, qui travaillait à découvrir l'or et à suivre, j'avais pas accès, comme je voulais, à aller voir une coulée. Donc, il y a certaines personnes, c'est contrôlé. Puis lorsque le transport des lingots ensuite se fait par des systèmes de sécurité, donc des gardes armés avec les camions blindés pour transporter les lingots jusqu'à, par exemple, la Manière Royale du Canada. Donc c'est quelque chose qui est quand même qui doit être assez encadré, parce qu'avec une infime partie qu'on pourrait transporter dans nos poches, une once d'or qui vaut 1 000 $ et quelques centimètres de gros. Donc, en fait, la sécurité autour de l'or en particulier est quand même très grande, parce que dans certaines mines, il y a de l'or visible. Donc, les beaux exemples que les gens peuvent connaître à Val-d'Or, c'est la mine Sigma, où il y avait beaucoup d'or visible. C'était des échantillons vraiment uniques aussi et de grande valeur. Donc, il y avait une grande sécurité pour pas que les travailleurs puissent sortir de l'or visible de la mine. Donc, lorsqu'on arrivait dans un endroit de travail, le matin, où il y avait beaucoup d'or visible dans l'endroit, les mineurs étaient retirés. Donc, c'était des contremaîtres, géologues, même dans certaines époques, c'était le directeur de la mine carrément qui venait récupérer les échantillons dans des chaudières, qui les amenait directement au concentrateur. Donc, il y avait un système de sécurité autour des travailleurs pour ne pas sortir des morceaux d'or. Bien, il y a eu différents systèmes. Évidemment, les travailleurs, il y a vraiment un processus là, au niveau de ce qu'on appelle la draille, donc l'endroit où le travailleur se change, donc il arrive de sous terre, il va chercher ses vêtements. Donc, dans certaines mines, il y avait vraiment un passage où on passait complètement à nu pour s'assurer d'avoir rien. Même les boîtes à lunch étaient inspectées. Parce qu'il y a eu vraiment des réseaux de trafic d'or dans plusieurs mines de la région. C'est quand même connu. Donc, les gens réussissaient à récupérer certaines quantités d'or, aller à des endroits où des gens pouvaient la faire fondre et la vendre. Donc, il y avait une espèce de marché noir autour de l'or. En Abitibi, ça a toujours existé. Dans une mine comme quasiment arctique, ça va être plus difficile que le travailleur n'est pas exposé à la roche directement. Mais c'est sûr que dans une mine souterraine, filonienne, où les gens ont accès directement, il y avait beaucoup de vols d'or. Après que la mine l'ait produit, l'ait coulé, et s'est envoyé pour être affiné à Monnaie Royale canadienne, eux l'amènent à des normes à 0.999, donc c'est de l'or pratiquement à 100%. Et après, c'est la décision de la minière de la vendre, garder dans des voûtes. Et la minière, normalement, ne stocke pas. Son rôle, c'est plus de la produire et d'essayer de faire un profit sur la production. Donc, elle va prendre une décision de vendre sur les marchés au prix courant. À ce moment-là, la brique ou les onces d'or coulées sont prises en main par les financiers, les acheteurs. Qui sont les acheteurs dans le monde? Beaucoup les Asiatiques. Ils expriment leur richesse à travers
la quantité d'or, soit par les bijoux, soit par des lingots. C'est une façon d'exprimer leur épargne, leur richesse. Et la bijouterie, peut-être, compte pour au-delà de 60 % de la consommation. Il est évident qu'au niveau technologique aussi, dans les téléphones cellulaires, tous les appareils de haute technologie, l'or est un excellent conducteur. Et il y a peut-être un 15 à 20 % qui sont rachetés par les banques centrales. Les banques centrales, ça compte jusqu'à un certain point comme une monnaie. Souvent, si c'est un abri contre l'inflation ou contre les dévaluations de monnaie potentielles. Bien que la ressource ne soit pas renouvelable, il est tout de même possible de récupérer certains métaux et de leur donner une seconde vie. Je pense que naturellement, ou bon, la façon qu'ils sont faits, ils peuvent être récupérés, recyclés. C'est ce qu'on sort dans le fond de sous terre, on l'utilise, mais après ça, ça disparaît pas. Là. Il y a toujours une possibilité d'aller rechercher les métaux une fois qu'ils ont été utilisés. Bon, l'exemple classique, c'est l'aluminium. Donc, les canettes, hein, c'est recyclé et l'aluminium se recycle très bien. Il y a des métaux qui sont un peu plus compliqués à recycler, là, dépendamment surtout de leur utilisation, comment ils ont été utilisés, puis comme... fait que c'est ça, ça peut être des fois un défi d'aller recycler des métaux. Par contre, ici, on le voit moins, mais en Europe, c'est vraiment un courant là qui est assez avancé, tout ce qui est recyclage des métaux. Eux, ils appellent ça les mines urbaines. Dans le fond, ils vont rechercher les déchets municipaux ou des déchets de, par exemple, de petits électroménagers ou des déchets informatiques, puis ils vont développer des nouveaux procédés, dans le fond, pour aller chercher les métaux qui sont là, plutôt que d'aller ouvrir une nouvelle mine. En Abitibi-Témiscamingue, notre sous-sol est riche et nous sommes forts de la connaissance de nos métaux, de la façon de les extraire et des moyens pour les récupérer suite à une première utilisation. Mais est-ce là la raison pour laquelle tant d'entreprises minières opèrent sur notre territoire? Je sens seulement la question à savoir pourquoi ici en Abitibi, on a autant de mines. C'est sûr que géologiquement, la géologie, la roche, elle était favorable. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, tout est enfoui. Tout est caché. Et je pense que si on a réussi, c'est que oui, même si géologiquement c'était favorable, mais avant tout, il y a eu des gens qui ont su les découvrir, ces gisements-là. Et lorsque, on n'enlèvera pas le crédit de tous les prospecteurs à travers le monde qui ont trouvé des gisements en surface, mais nous, il y a très peu de gisements qui sont en surface. Ils sont tous cachés. Et on ne pourra jamais enlever de l'équation le côté humain, le côté chercheur, le côté du vouloir.